Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. C'est l'émission rap numéro 1 en France. Planète rap. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Planète rap. 20h-21h sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap, Rimka. Passez une bonne soirée, bienvenue. On est sur Skyrock, les images sont dispo sur Skyrock FM, sur l'application Skyrock entre 20h et 21h tous les soirs de la semaine. On va vous faire du bien avec Rimka qui est là. Comment ça va, Rimka, ça va, ce Fred, soir? Bien, bien mon vieux. Eh ben, écoute, en pleine forme. Jusqu'ici tout va bien. Ça va, Dieu merci. Et écoute, tout se passe bien aussi. Rimka est là avec un nouveau projet qui est sorti il y a quelques jours qui s'appelle Midnight. 5 morceaux qu'on va aussi découvrir pour ceux qui ne les ont pas encore écoutés. On balancera des morceaux. Il y a des invités aussi chaque soir. Il y en a un qui nous a rejoint ce soir, évidemment, qui est là. Gros invité. Oh là 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 là. Ouais. Maintenant, t'as vu, c'est ça. C'est comme toi, en fait. On reconnaît direct au grain de voix. Tout de suite, on sait qu'on a affaire à monsieur Kobalade qui est là. Ça dit quoi, l'épigraphe? Et toi, surtout, Koba, le confinement? Ouais, ça se passe super bien. C'est vrai? Ouais, je suis confiné un max. T'es confiné un max? Ouais, tu fais quoi? Tu écris, tu bosses ou même? Moi, je suis studio, hein. Studio? Je suis studio le soir. Sinon, la journée, je suis confiné, hein. Confiné et un peu de studio le soir. Un peu de studio le soir. Bon, un petit mot sur tonton? Bah, du lourd comme d'hab. On le suit depuis aujourd'hui. En même temps, toi, j'allais dire, attention, parce que moi, super plaisir d'être sur un projet à toi, la famille, ma mère. Tu connais, moi, j'étais petit, j'écoutais. Aujourd'hui. Non, mais j'allais dire, il y a des trucs parfois en rap français, on a pu te poser des questions sur certains artistes de rap français un peu plus à l'ancienne, il y a parfois. Mais parce que quelque part, Rimka, quoi, il a traversé toutes les années, il est toujours là, toujours aussi présent, toujours aussi. Il est dans le bendo, frère. Ouais. Mais là, tu l'écoutes dans le bendo, tu vois, pas, on le connaît tous, tu vois. Ça veut dire que frère, moi, être dedans, gros, Abnamer, c'est un honneur, tu vois. Moi, merci ma famille, en plus, voilà, le son, ça va, il passe bien. Eh ben, c'est un morceau de circonstance, ça ira mieux demain. Donc, c'est sans mort du ref. Et franchement, je vais pas te mentir, frérot, le plaisir, il est super partagé parce que moi, je vois plein d'artistes aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui rappent, on est beaucoup. Mais des gens qui nous ressemblent. Comme nous, dans nos débuts, tout ça, j'en trouve pas énormément. Et le frérot, avant de le connaître, je voyais ses peuclis. Je disais, mais c'est qui ces jeunes fous là? Ils me rappellent nous. Qui est ce fougueux? Ouais, frérot, ça c'est la street, frère. C'est vrai qu'il y a un côté fougueux comme vous. Ouais. Non, frère, ouais. Ça là, combat là, ça c'est la street, frère. Voilà, on sait reconnaître la street. Ça c'est la street. J'ai rencontré son équipe, c'est que des bons gars, c'est que des vrais gars, le son est sale. Et c'est pareil, c'est un gros honneur que d'avoir le frérot Koba sur mon projet. Oui, il s'appelle Valise le morceau, parce que ça ira mieux demain, c'est un des morceaux de Koba que tu nous feras. Valise, le morceau s'appelle Valise. Aïe, c'est ça. SH aussi dedans, très gros morceau. Et ben on attaque tout de suite ce Planète Rap avec non pas Valise tout de suite, on le mettra un peu plus tard, mais on débute avec Rose Rouge sur Skyrock. Je me suis réveillé sans mes doutes. Elle n'est pas comme les autres. De la haine et de l'amour. Je l'ai connue, j'étais dans le gouffre. Je me suis réveillé sans mes doutes. Elle n'est pas comme les autres. Est-ce que tu m'aimes quand même? Malgré tous mes défauts. Est-ce que tu m'aimes quand même? Pour venir me voir au parloir. Pour m'assister à l'hôpital. Ou si demain je suis fauché. Sera-t-elle à mes côtés? Ah, à mes côtés. Si l'amour est un crime. Je suis coupable d'aimer. Tu veux faire un tour en arrière, connaître mes vices, connaître mon ancienne vie. Je suis un pur enfant de la Hesse, enfant de la street, enfant de la Zermi. Forcément quand tu sais qu'il n'y a rien à perdre, tout est permis. J'ai fait tout ce que j'avais à faire pour changer ma paire de Air Max en Gucci. Donc est-ce que tu m'aimes quand même? J'allume une fusée, elle allume une bougie. Des notifs sur mon mobile, des boosts par emoji. J'peux tomber pour un billet, mais j'peux plus tomber amoureux. La nuit carré sur le parking, on fait de la buée. Compteur à 100%, le cœur à 1000%.
pas de prix à 1%. Je serai toujours là pour toi. Nous deux c'est 1 plus 1. Je passe du temps avec toi et j'ai le chargeur plein. Tu veux faire un tour en arrière, connaître mes vices, connaître mon ancienne vie. Je suis un pur enfant de la Hesse, enfant de la street, enfant de la Zermi. Forcément quand tu sais qu'il n'y a rien à perdre, tout est permis. J'ai fait tout ce que j'avais à faire pour changer ma paire de Air Max en Gucci. Donc est-ce que tu m'aimes quand même? Sans mes doutes, elle n'est pas comme les autres. Non, non, elle n'est pas comme les autres. Malgré tous mes défauts, est-ce que tu m'aimes quand même? Est-ce que tu m'aimes quand même? Quand même. Le morceau qui s'appelle Rose Rouge avec Dadju aussi, vous le retrouvez sur le projet de Rimka. Ouais. C'est en streaming, allez-y, streamez fort hein, le projet de Rimka. Geste barrière, bravo Rimka, je n'avais pas vu le petit ça coup, le petit côté la, de, la petite manchette. Ah, la petite manchette sur le côté, bravo pour ce geste barrière à l'instant dans le studio de Planète Rimp. Bon, qui est pas lié hein, évidemment avec le Covid-19, mais plus lié avec... Ouais, t'as compris. T'as compris. Voilà. Bon, écoutez, Rose Rouge, on va applaudir parce qu'on n'a pas la bourse ce soir, mais on va applaudir parce qu'à 20h, il y a des applaudissements, comme chaque soir. Bravo, bravo à tous ceux qui sont en première ligne, les personnels soignants, mais pas que aussi, hein, tous ceux qui se... Voilà. J'ai reçu des messages d'un hôpital où on me disait qu'on écoutait beaucoup mes sons. C'est le CHU de Caen. Et donc voilà, je leur fais un gros bisou à tous. Voilà, bon courage et voilà, j'espère que... La situation s'améliore là-bas, voilà. Bisous à toute l'équipe. Et pour vous donner de la force, on s'est dit que bah, jusqu'à la fin de la semaine, juste après les applaudissements, juste après 20h, on balancera un des classiques de Rimka. Et le morceau qu'on met tout de suite pour donner de la force à tout le monde. Et ça, je suis sûr que ça va faire plaisir à tout le monde. C'est Tonton du Bled. Aïe. Allez, on y va, un petit coup de Tonton du Bled, c'est parti. Hey, Tonton, vas-y. Les cabas, ils sont trop lourds. Allez, monte dans la voiture. Regarde, Bilal, il s'en va. Monte, Bilal, monte. Hé, Atmen. Allez, monte, monte. Allez, on y va, on y va. Eh, hey. Hey, Karim, Tonton du Bled, Tonton du Bled. Pour tous les Miss Mourt, Bled ou Bledy. 504 break chargé, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilal, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Vito? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu tard, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout Tati. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulemat avec mon zinc et son derbouka dans la main. Un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zitzitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zerwania. On parle de tout et de rien, des Nike Air au visa, de la traversée du désert au beaucoup couscous de Yema. Et mon cousin me dit, Karim, kiff le zetla. Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards, on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un peut me dit, moi je t'ai pas vu cette télévision. Et l'autre me demande, ça hâte à Michael Jackson. Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinars, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et du latte. Pour d'autres, la chicha, j'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers monde. Et si j'avais assez d'oseille, j'emmènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. J'ai 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité, Arbeya. Content de revoir mes potos et ma chèvre. Pendant deux semaines, j'ai mangé que de la charba. J'irai
j'irai finir mes jours là-bas. Inch'Allah, je vais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon trois quarts alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bah, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Tu crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi? De Planète Rap avec Rimka qui était en train de parler avec Kobalade, justement en train de revenir sur ce morceau, sur Tonton du Bled, en train de dire. C'est ça. Parce qu'on était en train de dire, mais toi t'es né quand Koba? Mais c'est un 2000 en fait, Koba. Ouais, c'est ça. Donc le morceau était sorti. Ma gueule. Tu te souvenais quand même de ce morceau, toi, Koba? Bien sûr, moi je l'ai écouté, j'avais 8 ans, 9 ans. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il a traversé. Ouais, traverser toutes les... il y a pas une seule année où on diffuse pas ce morceau en fait, parce que de temps en temps il y a des morceaux qui peuvent dormir un peu, disparaître et parfois revenir. Ouais, mais ouais. Celui-ci non, j'ai l'impression qu'il est quand je l'écoutais, il était encore à la mode. Approche-toi bien comment. Voilà, quand je l'écoutais, il était encore à la mode. Ouais, ouais, c'est ça, c'est les morceaux qui bougent pas vraiment c'est les vrais tubes populaires, ce qu'on appelle tubes populaires, voilà. C'est ça, c'est un butu, c'est un classique et voilà, content d'avoir fait ce titre. Et voilà, tu sais combien de fois tu l'as joué sur scène, ce morceau? Combien de fois tu l'as chanté? Combien de fois tu l'as... Tu sais, je l'amène toujours en concert avec moi, parce qu'au cas où on le demande. Parce que des fois, je suis là et il y a deux, trois mecs qui commencent à lancer ton, 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 ton. Mmh. Après, ça part, ça démarre. Mmh. Le public, il le demande, je le fais, tu vois. Tu vois le délire, mais bien sûr, c'est des souvenirs que j'oublierai jamais, tu vois. C'était surtout, j'étais avec les potes et tout, tu vois. Quand tu vois Koba, c'est l'époque fougueuse aussi du 113. C'est ce que je dis souvent, tu vois, ça me rappelle notre époque, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, c'est les débuts du rap, nous on avait 20 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est là où on a fait donc l'âge de Koba, quoi. L'âge de Koba, ouais. Frère, c'est là où on a commencé nos premiers disques et on a commencé à avoir du succès comme eux, tu vois, le délire. Donc de voir les frères du quartier. Parce qu'il n'y a que les noms des quartiers qui changent, c'est nous tous des quartiers, frère. Ouais, frère. Tu vois, délire. De voir ça, ça fait plaisir de fou, tu vois. Tu te reconnais, ouais, forcément, quand tu vois Koba. Bah, à mort, gros, je t'ai dit, c'est pareil, c'est nous, on est ensemble. Bento, frère. Aïe, le Benz. Ouais. Koba. Ouais, toi Koba, parce que c'est pas de 7, moi c'est Bat 11, frère. Toi c'est Bat 11. T'as capté, frère, aussi. Le haut fameux 113, rue Camille de Groot. C'est ça, voilà. Gros. D'où le morceau Camille Groot Star aussi. Exactement. Qui faisait partie de cet album absolument incroyable. Non, je disais, toi Koba, c'est vrai que beaucoup de gens à une époque te sont tombés dessus sur l'histoire d'IAM parce que tu savais pas qui était IAM, etc., etc. Mais non, c'est vrai. Mais il y a aussi une question d'une génération aussi, donc faut. Mais frérot, toi comment tu c'est une voilà, question, c'est pas grave, c'est aussi. C'est une question de milieu, tu vois, ou pas. Moi, mes grands, ils frères. Ouais, c'est ça aussi. C'est IAM. Mon grand frère, il écoutait pas IAM. Il écoutait La Comera, il écoutait Mosda, il écoutait Kouba, il écoutait Rimka, il écoutait Al-Qaïda à l'ancienne. Eh, gros, il écoutait, tu vois, Alpha 520, les trucs de, tu vois. Non, mais c'est vrai que souvent on tombe là-dessus en disant ouais, cette génération, c'était mieux. Tu sais, le fameux c'était mieux avant. Mais frérot, c'était il y a 20 piges, il y a 25 piges, ouais. À un moment donné, tu vois. Moi, c'est pareil, frère. Il y a des trucs à l'époque où, quand j'ai commencé. Quand t'as commencé, ouais, toi aussi, pareil. Des trucs que je connaissais, frère, parce que c'était pas de ma génération, frérot. Bah, tout début du rap, évidemment, ouais. Il y en a plein, il y a plein de noms que tu peux. Des Johnny Go, des machins, on parlait de mecs, je connaissais pas, frère, moi. T'as capté le délire, c'est générationnel, c'est juste ça, frère. C'est pas ça qui dit qu'on aime pas le rap. Mais bien sûr. Tu vois le délire.
Et après, la chance peut-être aussi, voilà, le fait pour le 113 aussi de grandir, parce que vous, nerveux aussi, comme vous pouvez l'être à une époque et tout, il n'y avait pas tous ces parties réseaux sociaux où on vient vite te chauffer sur quelque chose en disant oui, il a dit ça, il a dit ah ça, non, il a... Sinon, on aurait été chez chaque internaute, un par un. L'adresse IP de chaque internaute. Ah, frérot, à l'époque, t'as vu, ça jouait non, pas. Mais c'est vrai que Koba, il y a aussi, voilà, de grandir dans cet environnement où c'est vrai que tout s'amplifie très vite à cause des réseaux sociaux, etc. Tu sais, moi, je vais te dire, les réseaux sociaux, il y a un côté, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Bien sûr. Le bon côté, c'est que voilà, rapidement, on peut envoyer du son à tout le monde, on peut communiquer facilement. Et t'es chez toi. Tu peux être ton propre média aussi, voilà. Tu deviens ton propre média et balancer tes morceaux. Exactement. C'est-à-dire parler directement aux fans, ça tue, ça a pas de prix. Mais aussi, ça donne l'occasion de parler à des gens qui n'ont pas forcément un avis qu'on a envie d'entendre, frère. Parce que des fois, c'est un petit 14 ans qui connaît rien au rap, qui vient de dire, j'aime pas, c'est nul. Ouais, et puis c'est sans argument, on s'en en fait. Fout de ton avis. Ouais, t'as compris. Sans argument, ouais. Voilà, parce que si encore t'as un argument que t'aimes pas et que t'as un argument, bon. Voilà. Exactement, on peut entendre. Tu peux entendre des critiques. Voilà. Ça fait partie du jeu. Mais de là à être jugé par tout le monde et n'importe qui, c'est aussi dur, tu vois, c'est dur à vivre aussi. Donc voilà. Ce soir, il y a Kobalade donc avec nous, et en plus vous avez fait un joli morceau avec SCH aussi, hein, qui est putain, présent. Putain de morceau, putain de banger. Toi, tu pensais les avoir tous les deux? Comment ça s'est fait justement ce trio sur... Moi, je parlais avec le frérot, je parlais avec Koba, je me disais qu'il fallait qu'on se fasse un truc, tu vois. Et puis après, j'ai eu cette idée de faire aussi avec SCH. Quand j'ai dit au frérot, le frérot, il était cool, il était d'accord. Et puis voilà, on a fait le morceau, moi avec le frérot de notre côté. Le S pouvait pas venir ce jour-là. Et puis on a refait d'autres séances et tout. Donc franchement, je suis super content. Les frères, ils se sont donnés à mort sur le titre. Et le résultat, c'est... Voilà, je pense que c'est un titre qui va rester. Tu regardes, il est sur les plateformes, il est partout... Il est numéro 1 dans plein de playlists, dans plein de trucs, et voilà, je suis super fier de ce titre. Koba aussi, pareil, content sur Valise. C'est un putain de son, gros. Ma mère, même le clip, il est trop lourd. Ouais, il y a le clip aussi, ouais, allez, mater le clip. Grosse force à Colin, voilà, t'as tué ça. Aïe, t'as tué ça. Plaisir. Colin, on l'écoute ce morceau, non? On y va? Vas-y. Allez, Valise, Rimka, SCH, Kobalade. Skyrock. Yeah. Je donne le go, je tire dans le ciel. Poussez-vous, je suis dans une sale affaire. Je peux manger du plomb, je peux manger du fer. Rien à branler, j'ai plus rien à perdre. Y'a trop de balance dans la nature. Y'a la BR et en filature. On roule la nuit, je fais l'ouverture. La lune est blanche comme de la pure. Elle veut boire mon sang. Elle a mis les escarpins, gros tapin. Les braqueux, on les aime pas. On sait tout ce que tu plaintes, on va t'éteindre. Le bigo est codifié, le cigare humidifié. L'argent m'appelle, je les baisse dans le respect. Je suis en camise dans le Bentley. Le joint s'éteint, je le rallume. J'habite du mauvais côté de la rue. Je balade mon Glock sur le boulevard. Comme un animal de compagnie. De la birdie dans le sac Fendi. On robe Vitaï, la pharmacie. Petite frappe, ferme ta chatte. On te met un cracker sous le pare-choc. Wow, une liasse de 10 000 wow, du millésime et wow, la peuf du riff wow, une liasse de 10 000 wow, du millésime et wow, la peuf du riff wow, chargez les valises wow. Carrément dans le truc, mec. Par Dieu, je vais te briser la nuque. Chiffre indien sur ma haut de main. Je suis le haut de la commission rogatoire. La pasta qui te fait craquer l'œil. Je pense aux œils depuis l'éveil. Marseille sens de l'accueil. Puto, Marseille sens des affaires. J'ai pas des suceurs, j'ai des amis. Si je perds le tête, je sens un cutter. Petit con, je suis tout le temps de bonne humeur. Je gagne le tête au pénalty. Comme un OG, je sors un OG qui va te faire saigner du nez, petit enculé. Diamant brut, leur carte l'incendie. Ça donne les larmes aux yeux à ta gandhi. Je roule en fer noir, j'ai un aïe noir. Si t'es noir et tout pour le bénéfice. De 20 au radar, je trop dis t'es noir. Et je bois tout ce putain de NSC. L'urge de Jika, additionné. Sentez presque autant que les clips. Tonton Rimka, qu'on balade. Échange les valises, oh, oh. Wow, une liasse de 10 000 wow. La peuf du riff, wow. Une liasse de 10 000, wow. Du millésime.
flow, wow. Charger les valises, wow. Que du cash, mais bon, vrai de vrai, Dieu merci. J'ai sorti le russe, même les RSL, petit frère. Mais j'ai frôlé trois fois la mort ce mois-ci. J'ai la rage quand même, demande une paire de seins. Quand mes poils s'accrochent à son piercing, on a un argent de côté, même des armes de côté qui sont un tout petit peu plus grands que Messi. À peine 20 ans, mais je suis presque riche. C'est pas moi qui dis, c'est la RSS. Moi, la rue m'a pris depuis que je suis môme. C'est mon mode de vie qui inquiète maman. Gamin, faut mesurer tes monostres. Ne pas flipper devant la mule. D'abord, tu la découpes au milieu. Ensuite, détaille la mêle par la mêle. Une liasse de 10 000 wow, du millésime et wow, un peuple du riff wow. Une liasse de 10 000 wow, du millésime et wow, un peuple du riff wow, chargez les valises wow. Donc ce morceau qui s'appelle Valise à l'instant avec Kobalade, avec SCH, ah, c'est sale, ça. Sur le projet de Rimka. Et d'ailleurs, petite surprise, Rimka dit allô. Tu vas voir. Allô, allô. Incroyable. Ah, on a du mal à retenir. Allô, allô, invité, surprise. C'est incroyable, mec. C'est incroyable. C'est le troisième larron de l'affaire. C'est le troisième larron de ce morceau. Gros. SCH, comment va l'ES? Ah bah ça a l'air d'aller bien, ça a raccroché. Et à mon avis, il est dans un confinement. C'est l'ICA mobile, ça. Il est dans un sombre confinement. Les baras ou l'ICA, ça. On va lui demander tout de suite, on rappelle tout de suite le S. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Bon, en tout cas, SCH qui est présent sur ce morceau, qui s'appelle Valise, aux côtés de Kobalade, aux côtés de Rimka, sur le projet en streaming. Décroche plus, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle fait tomber dans l'eau. Serré par les keufs. Peut-être une amende de 135 euros pour l'AS. On essaiera d'en savoir un peu plus dans quelques minutes. Le Planète Rap entre 20 et 21. On va revenir d'ailleurs, Rimka, dans un instant avec Kobalade qui est là. Koba, tu nous feras un peu de live tout à l'heure. Rimka aussi ce soir. Allez, vas-y. Ah. Allez, vas-y. Merci, ce sera dans un instant. Allez, morceau, c'est quoi? Tu nous feras Midnight? Moi, je vais faire Midnight. Tu vas faire Midnight, ça ira mieux demain. Morceau, voilà. J'aimerais bien que le frérot, il fasse ça, il nous fasse directement. La dernière boucherie, frère. Voilà. Ça ira mieux demain, ce sera dans un instant, ne bougez pas. On va essayer de retrouver SCH dans quelques minutes sur Skyrock. Et puis, on reviendra aussi, on balancera un morceau. Ce sera le Air Max. C'est aussi ça. Alors ça, c'est un des gros morceaux que t'as fait sur ces dernières années aux côtés de Nino. Ouais, avec Kenny. Voilà. Gros, gros titre, celui-ci, le Air Max, qui arrive juste après ça. Planète Rap. 20h-21h sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap, Rimka. Avec Rimka, notre invité Kobalade est là aussi. Et je le disais avant la pub, nous sommes en connexion normalement avec le Incre. Incroyable, mec. Voilà, il est là. Dans ma colline, mec. Eh oui. Tu es confiné dans une colline, le S. Je suis confiné à la maison, je fais des trucs de gros daron. Je coupe des arbres avec une tronçonneuse, oui. Mec, le coupe là, ça me réussit pas, tout ça. Tu vois, merde. Oh putain, tu vas des trucs de gros daron, là, ça y est. Ça va, les reins. Tu vas nous revenir avec un album de bûcheron, ça va bien? En pleine forme? Ouais, ça va, c'est de la bête. Conce, mon pote. Ah, c'est incroyable. C'est ça, tout doucement. À la fin du confinement, normalement, c'est bon. Hein, c'est bon. Tu pourras rigoler. Ça va, vous, les reins? Ça se passe bien? Ça va, on est confinés ici comme des fous. Okay. Ah, je suis dégoûté de pas être là avec vous, t'es fou. Ah, normal. Bon, en tout cas, le trio est reconstitué, hein. Le trio de valises est reconstitué. Ah, ouais. Ah oui. Ah oui. Oui. Trio, si vous voulez. Bon, tout. est-ce que c'était bien de poser avec tonton, avec Kobalade, le S? C'était bien, forcément. Mais mec, c'est toujours un plaisir, mec. Kobalade, c'est la fraîcheur et tonton, c'est la splendeur du truc, tu vois. Le vieillissement juvénile, tu vois. Ça fait plaisir, mon ref. Ah ouais, non, c'est incroyable. Toujours là, ouais, toujours là, même sur, bah voilà, sur les morceaux comme Valise, toujours, c'est vrai qu'il y a une vraie fluidité, hein, sur le morceau aussi. Ouais, hein. Ouais, il est simple et efficace. Ouais. Exactement. Bah, ce qui est bien, c'est que, voilà, tu vois, c'est trois générations aussi, tu vois, ça tue de ouf. Ça tue, voilà. Bon, et donc, toi, tout va bien, pas à part ce confinement, forcément, un petit peu comme tout le monde. Donc, toi, la passion du moment, c'est tailler des arbres, en fait, c'est, vas-y, t'as vu, t'es là, tu transformes, tu dis que c'est une passion.
J'ai pas le choix, Fredo. Bah oui, les gens, ils poussent. Après, les pompiers vont me mettre des amendes. Parce que s'il y a le feu, ça sera ma faute après. Oh merde, ah oui, toi, t'es dans les collines, confiné dans les collines, quoi. Bah ouais, je suis carrément confiné dans la colline, mais ça va. Est-ce que tu arrives quand même à créer en ce moment? Est-ce que justement, c'est propice à la création? Franchement, propice, ouais. Déjà, bah, t'as vu le contexte si près, tu vois. C'est la merde pour beaucoup de monde et le personnel soignant qui démène tous les jours pour nous et toute la force ouvrière aussi, ça, je pense, ça inspire, tu vois. Après, il faut trouver, faut tirer du positif de ces moments, en fait. Bah, on espère, ouais. On espère surtout que, voilà, qu'une fois que tout ça sera fini, voilà, il y aura des choses plutôt positives et qu'on sera plus dans cet état d'esprit. On verra. Mais oui, tout le monde prépare des albums, là, pendant le confinement. Il va sortir 15 albums le même jour, là, quand ça va être. Bah, ouais. Bah, ça va être chaud. Regardez, je viens de m'envoyer ça, le S, en fait. Ah, bah, voilà. Regardez, on découvre en direct. Ah, ouais, frérot. Ah, t'es caché, là, t'es. T'es dans la forêt ou quoi, frérot? Ah, je suis dans la forêt, frérot, là, je t'ai dit, je suis dans un village. C'est le maquis, quoi, c'est le maquis, c'est vraiment le maquis, quoi. Eh oui, je suis dans le maquis, mon gâté. Ah oui, t'es bien dans le maquis, oui, je viens de découvrir. Tu peux encore attaquer, il y a encore beaucoup d'arbres, hein. Ah ouais, non, j'ai du boulot pour tout le confinement. Ah bah, t'as un sacré boulot. Bon, merci d'avoir été avec nous quelques minutes, en tout cas, ce soir dans. Frérot, je vous fais tous des gros bisous, prenez bien soin de vous. Frérot, je vous fais des gros bisous. Et bah, pareil, on t'attend de retour en pleine forme, justement. On se voit vite, les gros bisous Rimka, gros bisous Cobra, bisous à la famille, bisous moi. À très vite. Le S, incroyable le S. Ouais, en direct de sa colline. Ouais, ça fait plaisir. Trop fort. Plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Et ce morceau Valise qu'il faut streamer aussi, qui marche fort d'ailleurs, tu disais aussi Rimka, voilà. Ouais, il est là, il est partout, il est disponible partout, il est sur le projet Midnight. Et voilà, allez-y, 5 titres, costaud, énervé, c'est disponible. Et j'avais prévu juste avant la pub qu'on balance le morceau avec Nino, c'est Air Max. Alors ça, c'était sur un projet précédent encore, celui-ci. Ouais, sur le projet Mutant. C'était sur Mutant, mais il a fait beaucoup parler, hein, celui-ci. Ouais, gros tube. T'inquiète, bientôt je les canne, tu es avec tonton, je fume un col. Une grosse paire de couilles, une rafale, je suis dans ton rôle. Pas de cocaïne dans mon nez, mais je fume le jaune. J'ai dit pas de cocaïne dans mon nez, mais je fume le jaune. Air Max, TN, raté, les affaires. Demain, j'arrête, c'est promis. Air Max, TN, raté, les affaires. Demain, j'arrête, c'est promis. J'ai passé la nuit menotté sur le banc. Sur les lacets de mer, Max, il reste un peu de sang. Elle apparaît puis disparaît sous mon volant. Il me reste encore un peu de rouge à lèvres sur le gland. Mes portières sont en l'air. J'tourne en ville, j'suis rabat. J'cartonne de 80, j'déclenche les airbags. Devant mon bloc, les petits chez moi te caillassent. Je sors le Lamborghini, t'as cru que c'était un mariage. Dans les couilles, j'ai de la peuf jaune comme le Dortmund. J'ai de la vodka de Saint-Pétersbourg. Ici, y'a rien à gratter. Les pochettes de weed sont agrafées. La loi, j'la fuck sur une planche habillée. T'inquiète, bientôt je les canne. Tu es avec tonton, j'fume un col. Une grosse paire de couilles, une rafale, j'suis dans ton hall. Pas de cocaïne dans mon nez, mais j'fume le jaune. J'ai dit pas de cocaïne dans mon nez, mais j'fume le jaune. Air Max, TN, raté, les affaires. Demain, j'arrête, c'est promis. Air Max, TN, raté, les affaires. Demain, j'arrête, c'est promis. Le procureur veut 6 mois et la juge a l'air aimable. J'suis mouillé jusqu'au cou, mais j'ai plaidé non coupable. J'ai rêvé d'un gros Boeing à porter des tonnes de coke. Bon qu'à faire des hits, bon qu'à marquer mon époque. À minuit, j'suis dans la ville, j'te récupère vers 1h30 bébé. J'ai le classe AMG, Faubourg Saint-Honoré. Complètement pété, j'ai la conso calée, y'a la banalisée. Trafic de stupéfiants, bande organisée. T'inquiète, bientôt je les calme, j'suis avec tonton, j'fume un col. Une grosse paire de couilles, une rafale, j'suis dans ton hall. Pas de cocaïne dans mon nez, mais j'fume le jaune. J'ai dit pas de cocaïne dans mon nez, mais j'fume le jaune. Air Max, TN, raté, les affaires. Demain, j'arrête, c'est promis. Air Max, TN, raté, les affaires. Demain, j'arrête, c'est promis. Qu'à la
Kalachnikov Draco pour transpercer ta peau. Ils ont changé de tenue juste après le braco. On prend tes photos, je suis chez le commissaire. Joue pas les Tony M, on te fait chanter comme toi il est. Ils m'ont passé les gourmettes, j'ai la tête sur le capot. Si je glisse au cachot, je partage avec mon co-détenu. Empreinte, photo, enquête, photo. Quand t'es dans la merde, y'a plus de poteaux. Air Max avec Nino à l'instant. C'est Rimka, notre invité tous les soirs de la semaine entre 20h et 21h avec un projet 5 titres pour l'instant. Mais ça veut dire qu'il y a aussi d'autres choses qui vont arriver, Rimka, je suppose. Plein de choses. Plein de choses. Il y a plein de choses qui vont arriver. Pas que des projets dans la musique. Bon, bah, c'est un peu tôt pour en parler, mais il y a plein de choses qui arrivent. Mais par exemple, le Midnight, il était prévu, tu voulais vraiment le sortir. C'est quoi, en fait, l'idée de Midnight, de 5 titres ou c'est lié aussi à la période dans laquelle on est actuellement? Bah, en fait, je voulais sortir un projet dans cette période-là, entre mars et mai. Je crois même que tu devais annoncer des dates de tournée aussi, il me semble. Exactement, etc. Donc bon, bah pour le coup, bah tranquille, compliqué. Et par rapport à ça, je me suis dit bon, j'ai des morceaux, j'ai tout ce qu'il faut. Faut que j'envoie du son pour le public, tu vois. Ça va pas m'empêcher de bosser, tu vois, de faire du son. Et donc voilà, t'as vu, j'ai quand même sorti le projet et il y a d'autres trucs qui arrivent derrière, tu vois. Donc on en aura dans les mois à venir. Il y en aura dans les mois à venir. En tout cas, en 2020, il y aura encore beaucoup de sons. Voilà, plein de sons. Sûr. Plein de sons de Rimka, en attendant déjà la confinement. Confinement ou pas, et en espérant qu'on se déconfine vite, tu vois. Ah ouais. C'est dur. Là, les beaux jours, ils arrivent. Les beaux jours, c'est chaud. C'est compliqué. Ouais, c'est dur. Voilà, on souhaite bon courage à tous ceux qui sont confinés avec le son de Skyrock ce soir. Le Planète Rap entre 20 et 21. Dans un instant, on attaquera du live. Tu nous feras Midnight, Kobalade aussi, qui est là avec. C'est toi qui voulais qu'il nous fasse Ça ira mieux demain aussi, c'est ça? Ouais, gros. Il est lourd celui-là, il est lourd, gros. Koba qui lui aussi, toi, tu bosses là sur un nouveau projet aussi. Toujours, hein. Toujours. La dernière fois que tu étais venu, tu m'as dit j'ai plein de morceaux, j'ai plein de trucs. Bah là, j'en ai encore plein. T'en as encore plein d'autres. Après le confinement, ça va être un triple album direct, Koba. Il va pas rigoler. Il va te sortir triple album d'entrée de jeu. Bah, tu sais, frère. Mais. En plus, quand il y a l'inspi, frère, faut profiter, gros. T'as vu, le frérot est chaud. Mais ça n'a rien à faire. Tu vois, c'est. Personne dehors, tout est fermé. Mais toi, l'inspi, tu l'as toujours eu, Rimka? Il y a eu des moments où il n'y a pas eu d'inspi, plus l'envie de. T'as vu, on est des êtres humains, gros. Hein. Des fois, il y a des trucs en dehors du rap, hein, quoi. Rien à voir avec le rap, la vie de tous les jours. T'as vu, la vie c'est pas tous les jours rose, frère. Donc il y a des événements qui se passent en dehors, dans ta vie, etc., qui fait que t'as pas la tête au rap, frère. C'est même pas une question d'inspi. Après, le rap, ça devient secondaire, tu vois. Donc bien sûr, ça arrive à tout le monde. Et après ça, ben l'amour du rap, il est là. On aime faire de la musique, donc à un moment ou à un autre, on y retourne, tu vois. Et bon, on va écouter maintenant un morceau de Rimka, c'est le morceau Rodeo, et après on passera au live sur Skyrock. Lélo, je vais m'amouronner. Lélo, je vais m'amouronner. Une douille de Grégouze, j'ai la tête dans la bouche. Permis, je roule, je grille tous les feux rouges. Chin chin dans la nôtre, on te livre la poudre. Et je la démonte, elle est encore sous la douche. Bimbo t'as les mots, calibre tous. Plus rien à foutre, la nuit je roule. Médicat sur un baveux, 20K sur une montre suisse. Je n'ai pas confiance aux hommes, encore moins la nourrice. Les ai allumés, j'ai couvert mon visage. Dans mon cocktail, j'ai mis une petite paille. Je fais tout le Kama Sutra sur un king size. Toujours la petite liasse dans la grosse liasse. Lélo plus Lélo égale Lélo, visé par Lélo égale toujours Lélo.
En RS3, je larpe les bleus. Aux aguets comme un terme peu. Ma pauvre carrière m'intéresse peu. J'en rase la chatte comme rase mes cheveux. Je n'ai peur que de mon créateur. J'en ai encore sous les injecteurs. Faire de l'oseille et fermer sa gueule. Je porte ma cravate comme un sénateur. J'ai de la haine, de la rancœur. J'arrive au parloir à Nanterre. J'ai mis 100 grammes dans la Montclair. J'suis devant les portes de l'enfer. Ta mère la grosse pute de mammifère. J'suis dispo que pour l'humanitaire. Va le faire pour nous c'est nécessaire. Monte en l'air jusqu'à la stratosphère. Je leur promets du feu et du sens. Tu crois qu'on joue nos mères sous souffrance. Le barillet n'attrape jamais froid. Il est posé sur le siège chauffant. J'ai investi dans ma wilaya. J'suis validé par la Walida. Dans le hall comme un enfant soldat. J'ai survécu dans la zone de combat. Il me faut un mortier pour l'OPJ. Madame la juge veut une amnistie. Y'a des lèlis, des lèlis, des lèlis. J'ai traversé les saisons de pluie. Quand la nuit tombe, on lâche les fauves. Moi et les copains, on était pauvres. On s'était dit, c'est jusqu'à la mort. Ça n'a même pas duré jusqu'à l'aube. Pour le week-end, je suis à Milano. Je me resserre un peu de saumon. Je fais des chansonnettes comme une petite bourgeoise qui reprend du rap au piano. J'avoue, j'ai des sous, mais aucun goût. Quand je mets les pieds chez Louis Vuitton, je ressors avec la veste la plus chère et la plus moche de la collection. Je pars au charbon, je mets tout dans une feuille. Je démarre le rodeo, je tombe sur la mondeo. Je pars au charbon, je mets tout dans une feuille. Je démarre le rodeo, je tombe sur la mondeo. Je viens d'un pays où la paix est un luxe. On connaît la lutte. Miselia m'a rendu solide. Ta vie de merde, j'ai pas de solution. Et je marche un peu au bord de la mer. Et je m'approche un peu plus de la mort. Je pose mon front sur un tapis de prière. Donc c'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Rimka et ce morceau extrait du projet Midnight. Allez streamer ce projet, 5 titres dont le morceau Rodeo qu'on écoutait à l'instant, Rimka, sur Skyrock. Ah oui. T'as un petit mot avec les gens avec qui t'as bossé sur, hormis les featuring, mais les prods dessus sur le projet, sur les 5 morceaux. Les prods, il y a Hades, il y a Cortez, il y a Gucci, Katrina. Mm-hmm. Et il y a Hamza aussi qui a fait la prod de le morceau qu'on a fait. Vous avez fait ensemble, ouais. Exactement. Qui est aussi un gros titre qu'on vous passera dans la semaine entre 20 et 21. Mais si on attaquait avec un petit peu de live maintenant, Rimka. Ouais, du gros live même. Du gros live, Kobalade est là avec nous. Aïe. Qui commence? Toi, Koba? Le frérot, on va laisser le frérot commencer. Ouais, 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 ouais. Et bah allons-y. Yeah. Koba, ça ira mieux demain. Koba, laisse tomber les peines de cœur. T'auras brûlé le gilet, nourrir mes bois, ils vont trahir dans tous les cas. Ils ont fait du sale alors que je sais que je vais tout laisser, mais je sais pas quand. Et puis moi, comme un con, au lieu de partir en cours, je suis parti en couille. Encore sur le terrain, j'espère que ça ira mieux demain. Mais c'est pas facile, cousin, tant bien que mal on se démerde. Mais si ça te plaît qu'à moi, me serais écarté de ce truc de merde. Mais y'a encore trop de monde en bas qui me demande des blocs et des vins. 4 sorties de peau, ça chasse. Mais j'suis sûr, hein, si j'me fais chasser. Y'a de la beuh, y'a du shit, y'a plein de choses. Mais cette vie là, des fois elle fait chier. Ça ira bien mieux demain. Pour l'instant, j'ai la drogue dans les mains. Ça ira bien mieux demain. Pour l'instant, j'ai la drogue dans les mains. Ça ira bien mieux demain. Oui. L'important c'est le tri, les prières ont chassé les traîtres et j'en avais trop. Le platine a enlevé mes doutes, mais la drogue a payé mes dettes et mon premier Audi. Et 45 secondes, pas plus une fois dedans. Hein. Premier cambu, j'ai capté que le temps c'est de l'argent. Et si ça pète, dis-moi qui reste. J'fume un jour quand j'suis triste. J'viens de là où même les petits préfèrent un 6,35 qu'une rose. Ici la confiance ça coûte cher, mais on te nique ta mère pour R. J'viens de là où on agit et peut-être parler après. 4 sorties de peau, ça chasse. Mais je suis sûr, hein, si je me fais chasser. Y'a de la beuh, y'a du shit, y'a plein de choses. Mais cette vie là, des fois elle fait chier. Ça ira bien mieux demain. Pour l'instant, j'ai la drogue dans les mains. Ça ira bien mieux demain. Pour l'instant, j'ai la drogue dans les mains. Ça ira bien mieux demain. Pour l'instant, j'ai la drogue dans les mains. Ça ira bien mieux demain. Pour l'instant, j'ai la drogue dans les mains. Quatre, sa petite peau, sa chasse. Mais je suis sûr, hein, si je me fais chasser, y'a de la beuh, y'a du shit.
y a plein de choses. Mais cette vie là des fois elle fait chier. Ça ira bien mais demain. Pour l'instant j'ai la drogue dans les mains. Ça ira bien mais demain. Pour l'instant j'ai la drogue dans les mains. Ça ira bien mais demain. Pour l'instant j'ai la drogue dans les mains. Ça ira bien mais demain. Pour l'instant j'ai la drogue dans les mains. Sale. Ouh. Ouh. Midnight est dans les bacs, la famille. 5 cheats, 5 douilles. Aïe, Cowboy est dans la maison. Midnight. J'ai grandi à l'ombre des bulletins. Je peux monter un gang ou une ultime. Habitué au contrôle de routine. J'ai jamais bossé, j'ai fait l'école du crime. Le fumoir, j'en fais le caribou. Elles veulent s'asseoir sur mon ustensile. Je roule à sapin de titri. La protéine arrive décollée. J'ai un allié posé sur le nez. Mes capitaux sont fortifiés. Comme mes poumons, elle est calcinée. Une clé générale, elle est falsifiée. C'est moi qui t'allume et conduis la moto. J'ai mon feu dissimulé. Poutou, ne jamais faire confiance au poutin. Jamais. J'envoie la faute. J'suis dans un putain de la pof dans le mégo. Je pense qu'au dîner. Crypté mon bigo. J'ai pas de numéro. J'ai une soeur que la vie. Comme les super héros. J'suis dans un putain de allo police ego. J'vais faire un baby. J'vais faire une chaco. Police secours, je peux gérer le fond, je peux lever la foule. Sienna, j'suis dans le vaisseau. J'fonce, et je vais péter la caution. Scotch, irlandais dans la potion. Ma conce, un échantillon sur un plot. Enculé, c'est moi qui paie l'addition. Muet dans les interrogatoires. Pouf, je disparais des radars. On est les Pink Panthers. On est les Peaky Blenders. J'suis tonton de la famille Shelby. Pour la prison, j'fais un colis. Sur ma classe, j'la fais rebondir. Dans le noir, elles sont toutes jolies. J'vais lui faire une prise comme Kabu. J'envoie la foudre. J'suis dans un putain de la meuf dans le mégo. Je pense qu'au dinero. J'ai crypté mon bigo. J'ai pas de numéro. Je ne sors que la nuit. Comme les super-héros. J'suis dans un putain de allo pour les secours. J'vais faire une bille. J'vais faire une chaco. J'suis dans un putain de allo pour les secours. Dans la maison. Cobaladé dans la maison. Midnight est disponible partout. Sur toutes les plateformes, la famille. Midnight. Yo. Sap. Midnight est en effet dispo partout en streaming. Et il y avait aussi Koba avec ce morceau à l'instant. Yeah. Gros morceau aussi. Ça ira mieux demain qu'on écoutait en live avec vous, messieurs. Koba, est-ce que je peux te souhaiter la même carrière que tonton? Est-ce que tu te vois encore rapper dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Est-ce que sa carrière te fait rêver? Franchement, c'est une carrière de dingue. De dingue? De dingue, là. Rien à dire. Franchement, respect l'ancien. C'est gentil, mon rêve. Voilà, c'est un plaisir de fou. Moi, je me vois pas rapper dans 10 ans, mon pote. Voilà. En même temps, tu sais, même moi, je l'ai dit, ça aussi. Ouais, parce que ça, moi je me souviens, au début, 113, on vous aurait posé la question, où il rappait dans 10 ans dans... Je l'ai dit dans un morceau, frère. J'ai dit, je me vois mal finir ma carrière à 40 piges. J'ai 40 piges, frère. T'as capté? C'est-à-dire qu'en vrai, tu vois, je le comprends dans l'état d'esprit qu'il y a aujourd'hui. C'est ça. On est des gens de la street, frère, c'est-à-dire que... Tu sais pas de quoi c'est. On sait pas, frère, y a pas de plan, y a pas de. T'as vu? On prend ce qu'il y a à prendre, non? Pour l'instant, on est dedans, tu vois. Ça veut dire qu'on va faire du sale. C'est de vivre le truc. Mais la vérité, pour l'instant, je me vois pas perdurer de temps, tu vois. C'est vrai? Non. Mais pourquoi? C'est quoi qui peut te restreindre, qui te paraît compliqué à tenir sur la durée? Rien. Je veux juste reprendre une vie normale. Ouais, il a pas tort. Voilà, ouais, c'est vrai que c'est. Frère. Mmh. De fou. Et tout, voilà. Voilà. C'est pesant. Parce que les gens, ils rentrent chez eux. Les gens avec qui on travaille, t'as vu, c'est des gens. Tu vois, ils sont pas exposés au succès. Mmh. Nous, on se réveille, on est des artistes, on dort, on est des artistes. Toute notre vie, on est des artistes, frère. Une vie normale aussi. Ça a été dur d'apprendre la célébrité, entre guillemets, voilà, de gérer ça, vous, à l'époque. Des fois, c'est même pas toi, des fois, c'est tes potes qui arrive pas à gérer, tu vois. Ouais, c'est vrai, tu vois, des fois t'as des habitudes que vas-y maintenant vu que t'as une image tu peux plus faire.
T'as l'habitude de faire des snaps, maintenant, vu que t'as des, tu vois, tu peux plus faire. T'as l'habitude tout va être interprété, machin. Part, mais vu que nanana, tu peux plus, truc. De fou. Vas-y, au début, c'est bien, nanana, c'est marrant, tout ça, mais la vie de ma mère, au bout d'un moment, c'est trop. Moi, regarde, je marche pas avec ma mère, moi. C'est trop. Ouais, sinon, tu peux pas. Il faut pas que les gens, ils me filment, et en même temps, ils filment ma daronne. Moi, je vais péter les plombs devant la tête de ma mère sur le net, tu vois pas. Ça, c'est, truc, en même temps, c'est vrai que. Vas-y, c'est compliqué, gros. C'est vrai que, voilà, avec la génération, en tout cas, de tous les réseaux, c'est vrai que c'est aussi compliqué. Mais même toi, c'est un truc. Pas de respect, frère. C'est un truc que tu ressens aussi, Rimka. Même si toi, t'as réussi à appréhender, justement. Comment vous avez appréhendé ça, toi, les toutes premières fois, on t'a reconnu dans la rue, justement. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il n'y avait pas encore le. Ah, mais frère, c'était dur, gros, je peux pas te mentir. On n'est pas habitué à ça, tu vois. Mais après, c'est un kiff, tu vois. Parce que tu sais que les gens, ils sont là pour toi, ils t'aiment de ouf, tu vois. Mais t'as envie de préserver ta famille, tes proches. T'as capté. Mmh. Exactement. C'est bien, il faut bien faire la différence, tu vois. Voilà, faut pas tout mélanger, mais les gens, ils oublient, frère. Mmh. Les gens, ils oublient, voilà, les gens, juste pour, tu vois, pour un peu de buzz, ils peuvent afficher toute ta famille sur le net, mon frère. Ouais. Ma mère, gros, c'est dinguerie, ça va. Mais ça, je suppose que c'est le truc qui est pesant, quoi. Même toi, sûr, alors là, pour le coup. De merde. Hein? C'est peut-être pas la même approche que Koba, mais toi, t'as des enfants aussi, je suppose que. Bien sûr. T'aimerais frère, pas qu'on te voit avec les enfants en permanence, te bien sûr, frérot, tu vois, c'est la famille, c'est, pour nous, c'est sacré, la famille. On est, c'est nous qui rappons, c'est pas la famille. C'est nous. Protéger. Exactement. Les risques, c'est nous, c'est pour nous, les risques, c'est pas pour notre famille. Ils ont rien à voir à notre truc, à ce qu'on fait, tu vois. Donc, nous, on essaie de les protéger au maximum, tu vois. Bon, en tout cas, Koba, on te souhaite évidemment une longue carrière. Je sais que, alors, je sais pas si tu iras jusque 20 ans de rap et tout, mais t'as encore des belles années, je pense, devant toi. Rimka, je pense que t'es d'accord avec moi là-dessus. Il a des belles années, Koba. Hein. Ah, le frérot, il est très chaud. Il est chaud. Et je suis pressé d'écouter le prochain projet, là. Ce sera pour. Très, très pressé, frère. Bientôt, bientôt. Ce sera pour bientôt. Bientôt, gros. Bientôt. Bientôt. Aïe. Merci d'être passé, Koba. Merci à vous, voilà. Merci, Toto Rimka. Merci, frère. Merci, mon ref. Et bientôt, on se revoit. Toi. Et on se revoit déconfiné. Inch'Allah, parce que gros, on sait pas comment. Je sais pas. Allez, on se revoit après le déconfinement et avec un beau projet pour Kobalade aussi. En attendant, il y a évidemment, il y a le morceau Ça ira mieux demain, que vous pouvez toujours continuer à streamer et surtout le Valise. Voilà, avec SCH, avec Kobalade. C'est ça. Sur le projet de Rimka. Avant de se quitter, Rimka, on finit avec, tiens, le medley qu'on a mis hier pour débuter l'émission. Ouais, top. On va se remettre un petit coup de medley. Tiens, Koba, tu vas peut-être aussi découvrir de certains morceaux, même si t'en connais déjà pas mal de Rimka. Le medley de Rimka, écoutez ça. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux. Quand tu veux. Ambitieux, parfois vicieux. Où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux. C'est quand tu veux. Planète rap. À ceux qui sont toujours là pour leur familia. À ceux qui kiffent la vraie fête, je te parle pas du milliard. À ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui se tapent, de quoi ni pourquoi ça marchait dessus. Pour nos sœurs, nous serons les mères de demain. Wesh, wesh, cousin, mafia, caca. Planète rap, planète rap. Le parisien de Marseille, entre frères, on sait le faire. Pour aller chercher l'oseille, on sait comment faire. C'est le son de terre-terre, la vague de revolver. Sans problème, baiser le système judiciaire, on sait le faire. Pousse-moi un coup barge, Francis Lalanne en marche. Impulsion à chaque seconde, emmerde le monde. C'est comme si le monde tourne sans toi. Au-dessus des lois, tout comme moi. On vit au cœur des blocs avec nos règles. Mais personne pourra briser nos règles. Planet rap, planet rap. Personne en ménage, déclaré par la rue. J'ai l'espoir des favelas, favelas. On fuira en Modena. T'as aucune idée de ce que j'ai pu faire pour en arriver là aux favelas. Rika, mafia, ça yo, j'ai eu. Vijaya City, ce n'est qu'un rouge corbeau. Y'a qui pour toi? Personne. Et toi, y'a personne. Hassoul, victime d'un parloir fondu. Planet rap, planet rap. Ça c'est du bel à baisse, dans la caisse, à baisse. C'est l'aime, les baisse, on est pressé. On a des rêves plein les yeux et on vit au présent. On prend la vie comme elle vient, on relâche la pression. Suite nous. Planet rap, planet rap. Elle te fera par la tête, elle te cogne les becs. Je roule un dernier pète, c'est sur demain j'arrête. Je lui mets de l'encre et elle prend la grosse tête. Planet rap, planet rap. Les MC, les groupies, le public m'appelle tonton. Ils connaissent mon portrait robot, mon portrait robot.
J'arrive seul, je n'ai que ma mère et mon Kalachnikov. Putain des portes, les Yougos, Panam, m'appelle Rimkov. Sous la verse légende, tourne à l'envers. Une capuche sur la tête, elle baisse. Gire, on s'arrache de la tête. On est dur, dur, fier. On fait des braises, on brûle tous les casiers judiciaires. Planet Rap. Planet Rap. C'est cool, gars, c'est cool. Je fais du sale comme un 6 gros de Marocco. Je fais du sale comme un trafiquant de Mexico. Oh, Planet Rap. Deux têtes de weed dans le grinder. Plaquette de sang pour passer l'hiver. J'fumerai des spiffs jusqu'à 60 berges. J'ai de la bouteille de Belvedere. Big fumé, big fumé, big fumé, big fumé. Big fumé, big fumé, big fumé, big fumé. Partage la cagnotte, on sirote le sirop. Baby, t'es mon copilote. Gauche, droite, ça me saouraille. On t'apprend la danse des voyous. Brave les dangers, faut que les représailles. Ça c'est la danse des voyous. Ils ont appelé la police pour moi. Ça sentait la weed devant chez moi. J'ai bloqué mes billets, bloqué la peufra. Je vais être en galère, peut-être au placard. Donc j'allume un gros spliff. Nocif. Planet Rap. Et des billets purple. Et des putes sans cerveau. Ça sent chevaux. Dans les bouchons quand les ouvriers font la grève. Frérot pour 500 euros. Y'a toute une famille qui peut relever la tête. Planet Rap. Air Max, TN, raté, les affaires. Demain, j'arrête, c'est promis. Air Max, TN, raté, les affaires. Demain, j'arrête, c'est promis. Planet Rap. Planet Rap. C'est nous, le 113 au rendez-vous. Faites attention, préparez-vous. Ah, donc pour ce medley de Tonton Rimka qui sera là de retour demain soir, bravo à Fab qui a réalisé au top le medley. Bravo la femme. Merci Rimka. Tous ces morceaux que tu as fait. Toute cette carrière, toute cette discographie. Et encore, il n'y a qu'une infime partie. Il n'y a qu'une infime partie dans ce medley. Rien. Il n'y a rien par rapport au reste de la discographie. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas tout, mais. Il n'y a pas tout. C'est bien, c'est bien représentatif. Encore une fois, merci à Kobalade d'être passé dans ce Planet Rap. Normal, voilà. Rendez-vous demain, Rimka, on continue demain, la semaine. On continue. Jusqu'à jeudi. Vendredi, ce sera une heure que des sons de Rimka à pas louper jeudi soir dans l'émission entre 20 et 21. Okay, et puis toi, on te garde jusqu'à jeudi, tous les soirs entre 20h et 21h sur Skyrock. Vous découvrez l'image en vidéo aussi. Merci à Dirty Swift qui était là aussi. Ah bah tiens, en période de confinement, allez mater l'Insta de Dirty Swift, il nous régale avec les gamins fous furieux derrière, hein, les petits, hein. Ils sont chauds, tes petits, hein. Ah, ils sont très très chaud. Allez Maté, il y a des mix de DJ Dirty Swift sur ton Insta, tu vois. Oh ouais, c'est son Insta. Sur l'Insta. Avec ambiancé par les petits, ils sont chauds les petits. Ils sont bien énervés derrière. Allez faire un tour. Merci à toi Dirty Swift d'être passé aussi ce soir entre 20 et 21. Et on se retrouve demain sur Skyrock pour la suite de ce Planet Rap Rimka. Là c'est D-Fool et toute l'équipe de la Radio Libre maintenant. Mate les lives exclusifs de Planet Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.